Dans cette vidéo, je te donne 9 infos à connaître avant OM Francfort en Ligue des Champions. L'OM est deuxième de Ligue 1 à égalité de points avec le PSG. Francfort est de son côté 11e de Bundesliga et vient de se faire surprendre à la maison par Wolfsburg sur la plus petite des marges. L'OM s'est incliné contre Tottenham lors de la première journée 2-0. C'est leur unique défaite de la saison, toute compétition confondue. Ils ont d'ailleurs gagné ce week-end contre Lille. A noter toutefois que contre Tottenham, les Marseillais ont réalisé un bon match, mais ils ont été plombés par le carton rouge de Mbemba en début de seconde période. Lauréat de la dernière Ligue Europa, Francfort a obtenu son précieux sésame pour découvrir la Ligue des Champions, puisque leur première campagne européenne était en Coupe des Clubs Champions il y a plus de 60 ans. L'OM et Francfort se sont affrontés à 2 reprises, c'était en Ligue Europa en 2018 pour 2 victoires des Allemands, 2-1 en France et 4-0 dans le rentre. Alexis Sanchez, arrivé cet été et déjà auteur de 4 buts cette saison, réintègre le groupe. Côté allemand, le japonais Kamada a déjà scoré 5 fois depuis le début de la saison et Kostic, parti à la Juve, est le seul joueur majeur à avoir quitté le club cet été. Auteur d'un bon début de saison, eh bien la cote pour la victoire de Marseille est à 1,90 sur Betclic, le nul à 3,60 et la victoire de Francfort à 3,80. Partage ton pronostic score exact dans les commentaires et pour l'analyse détaillée, rendez-vous sur rudesjoueurs.com.